René. Eh bien, bonjour à tous. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Oui. Avec le Seigneur, on est toujours dans la joie. Alors, je vous invite à vous lever pour proclamer les bontés de Dieu. Car le Seigneur est là. Il nous a précédés ce matin. Et nous pouvons lui faire une innovation pour sa présence au milieu de nous. Le psaume 2, le psaume 92, 2 à 6 et 9. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur les instruments à 10 cornes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Et le 9, mais toi tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Et maintenant, je vous propose d'offrir un bouquet de louanges à notre Seigneur. Nous allons chanter 5 cantiques à la file. Bon, on ne va pas chanter pour chanter, non. C'est des chants de louanges qu'on adresse au Seigneur. Ça, il faut bien se le mettre dans la tête. Voici tous rassemblés avec la terre entière. Nous avons la terre entière.
c'est pour combler le temps. Et on va laisser les enfants aller à leur étude. Que le Seigneur les bénisse ainsi que les moniteurs. Jean 4, 23, 24. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Avant la prière libre, je vous invite à chanter, vous pourrez rester assis, « Entre tes mains, j'abandonne ». Personne.
Voici le moment de la prière libre, que chacun puisse ouvrir son cœur et dire tout ce qu'il a. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Seigneur, manifeste-toi au milieu de nous. Nous avons faim et soif de t'entendre. Tu es cette eau vive. Viens et règne en nous. Abandonnons tout ce que nous avons dans le cœur. Jésus est là. Il veut répondre à nos prières. Amen.
Amen. Éphésiens 2, 4, 5. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie avec Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et avant de laisser la parole à Guy pour le message, je vous invite à chanter « Frappé des mains ». Bonjour à tous. René nous a encouragés à être dans la louange et j'ai l'impression qu'il y aura une prolongation avec le message d'aujourd'hui. Je voudrais relire le verset que tu as lu tout à l'heure dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Il est question de la Samaritaine qui s'interrogeait sur le genre d'adoration qu'il fallait adresser à Dieu et à quel endroit en particulier. Et c'est là où elle s'entend dire « Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité ». Vous allez voir que dans le texte de méditation d'aujourd'hui, il est aussi question d'adoration, il est aussi question de Samaritain, et il est question donc de cette adoration qui n'est pas toujours très juste dans une église, ou qui n'est pas toujours très juste dans les personnes qui veulent s'adresser à Dieu. Et il y a besoin de revoir un petit peu les témoignages qui nous sont lancés par la parole pour être plus juste dans notre adoration. Alors je vous invite à prier avant tout. Oui, Seigneur notre Dieu, merci pour... la grâce que tu nous fais de pouvoir nous réunir et nous réunir autour de ta parole, d'où que nous puissions provenir, quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons être actuellement, difficile ou facile, tu sais qu'est-ce qui est dans notre cœur et nos besoins. Et je veux te prier, Seigneur, que par ton esprit, au moyen de cette parole, Seigneur, tu nous donnes de pouvoir avoir un libre accès les uns et les autres auprès de toi, pour vivre de toi, de ta plénitude, de ta grâce. Et je veux vraiment te demander, Seigneur, que tu commences ce processus de grâce, de paix, de joie, si tout cela n'est pas en place, afin que, Seigneur, tous ceux qui sont réunis ici et bien sûr ailleurs encore, puissent t'adorer en toute liberté, sans regarder au lieu ou aux personnes immédiatement, mais puisse s'adresser à toi véritablement pour ce que tu es, ce que tu représentes, ce que tu veux représenter pour ce monde. Seigneur, merci de bénir ce moment et que tu sois vraiment glorifié. En Jésus-Christ. Amen.
Le texte que je vais lire maintenant et sur lequel je vais apporter une méditation se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 17, les versets 11 à 19. C'est un texte qui figure en fait dans la série de lectures bibliques qui peuvent être lues aujourd'hui dans toutes les églises de France si elles possèdent le livret de lecture. Et donc je vous livre cette parole qui nous est adressée par l'évangéliste Luc au chapitre 17, versets 11 et suivants. Parlant de Jésus, alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus longea la frontière entre la Samarie et la Galilée. À l'entrée d'un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et se mirent à le supplier à haute voix : « Jésus, maître, aie pitié de nous. » Jésus les vit et leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » Et pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Il se prosterna aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus dit : « Ils sont bien 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas ? Où sont donc les 9 autres ? » Il ne s'est donc trouvé personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu. Puis s'adressant à ce Samaritain, il lui dit : « Relève-toi et va, parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. » Alors, en préambule à la méditation, je voudrais qu'on passe une carte de l'Israël du temps du Christ pour que, je ne sais pas si vous êtes familier de l'Israël du temps du Christ, ou en tout cas de la géographie d'Israël, mais c'est un moyen aussi de un peu plus se familiariser avec ces lieux qui sont lointains déjà, et aujourd'hui Israël n'est plus du tout dans la même configuration qu'alors. Mais vous voyez sur cette carte qu'il y a la Judée, il y a la Samarie et il y a la Galilée. Et donc, dans le récit, il est fait mention que Jésus est en train de se promener avec ses disciples et le long de la frontière entre la Galilée et la Samarie. Donc, ça permet de situer ce qui se passe. Alors, ce qu'il convient, je pense, de savoir avant toute chose, avant de recevoir l'enseignement de cette histoire, c'est que Juifs et Samaritains, les Juifs occupaient la Judée et surtout la Galilée, mais les Samaritains étaient au centre, et Juifs et Samaritains ne s'apprécient pas du tout. Les Juifs qui occupent la Galilée et la Judée viennent adorer Dieu à Jérusalem, et les Samaritains sur le mont Garizim, qui n'est pas loin de la capitale, Samarie. Chaque communauté juive et samaritaine a son propre clergé et ses propres prêtres. Contrairement aux Juifs, les Samaritains n'accordent pas d'importance à la ville de Jérusalem. Le lieu sacré de la communauté samaritaine est le mont Garizim. Il est désigné par Dieu, selon eux, comme le centre du culte dans leur tradition. Et selon eux-mêmes, c'est là qu'Abraham se serait rendu pour sacrifier son fils Isaac. D'ailleurs, le mont Garizim est à tel point sacralisé par les Samaritains qu'il est cité au nombre des 10 commandements, rajoutés donc, dans les 10 commandements que nous connaissons, pour dire que c'est là le lieu sacré par excellence. Et pour certains membres de la communauté samaritaine, les Samaritains sont les seuls vrais Israélites, car contrairement aux Juifs, ils sont toujours restés en Terre Sainte. Cela fait référence à l'histoire juive d'il y a 5 siècles auparavant, où une bonne partie des Juifs de Galilée et de Judée ont été exilés à Babylone, enfin en Assyrie et en Babylone. Et les Samaritains, eux, sont restés. Mais des personnes provenant de cette région de Babylonie ont été implantées en Samarie. Et c'est là qu'il y a eu un petit peu confusion des genres au niveau religieux. C'est pour ça que les Juifs n'aiment pas les Samaritains à cause de cette confusion. Mais aussi que les Samaritains n'aiment pas les Juifs parce que les Samaritains sont restés alors que les autres Juifs ont été dispersés. Donc il y a cette inimitié entre Juifs et Samaritains. D'ailleurs, cette inimitié n'existe pas qu'entre Juifs et Samaritains, mais aussi entre Juifs eux-mêmes, entre ceux de la Judée et de la Galilée, et tout simplement parce qu'il y a là aussi un regard sur la Galilée qui est très négatif. Ésaïe, par exemple, chapitre 8, et à la fin du chapitre 8, début du chapitre 9, fait mention de ce secteur du nord d'Israël pour dire « voilà, c'est un lieu de ténèbres, d'où proviendra la lumière, mais c'est un lieu de ténèbres. C'est un lieu de ténèbres parce que c'est un lieu de passage
des invasions assyriennes, babyloniennes et autres qui ont pu avoir lieu dans l'histoire. Et chaque fois qu'il y avait des nouvelles à entendre plus au sud, eh bien, ma foi, c'était très négatif. Donc la Galilée était très négativement perçue par les Juifs du sud. Et puis, on lit dans la parole aussi que, par exemple, dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, il est dit d'une ville qui est Nazareth, où Jésus a vécu, est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de cette ville de Nazareth qui se trouve en Galilée? Ou alors, dans Jean, encore une fois, au chapitre 7, il est dit « Aucun prophète ne sort de Galilée ». Donc, vous voyez la perception qu'ont les Juifs du Sud sur la Galilée. Ensuite, dans cette histoire, il est fait mention aussi de lépreux. Les lépreux sont les rebuts de la société. On dirait aujourd'hui, peut-être, comme en Inde, les intouchables. Et ils doivent se signaler pour dire qu'ils arrivent, pour que personne ne les approche. Et ils sont déclarés, donc, sur le plan religieux, impurs, et ne peuvent fréquenter personne, ni sur le plan social, ni sur le plan religieux. Et ici, vous le voyez même dans le texte, il est bien dit qu'ils se tiennent à distance. Ils connaissent leur nom droit. Conséquence de tout cela, eh bien le Samaritain, comme le Juif, et inversement, tire la couverture à lui par rapport à son institution religieuse. Chacun dit « moi, c'est la meilleure » et ne manque pas de rappeler cette différence. Mais aussi, donc, les lépreux sont là pour dire aussi combien, finalement, ils sont à mettre à part, de côté. Ils n'ont pas de place, ni dans la société, ni dans la vie religieuse. Ici, nous avons affaire à des lépreux, et les lépreux n'ont pas donc la guère de solution, si ce n'est de capituler devant la maladie et capituler devant les règles sociales et religieuses. Voilà que Jésus, donc, se trouve proche des Samaritains, des Galiléens et même des lépreux. Proche des Samaritains et des Galiléens, dans le texte, il nous est dit clairement, il est à la frontière. Un no man's land, je dirais. Et puis, il est proche des lépreux, comme vous le voyez, parce que, ma foi, il les accueille, et puis il leur parle, et il communique la grâce de Dieu en leur parlant. Je pense qu'ici, nous pouvons retenir une chose, c'est que le regard que Jésus porte sur le Samaritain, juif, lépreux, et tout être humain, peut se résumer dans cette parole de Luc, chapitre 19, verset 10, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Et je crois que cela, c'est un peu le refrain de ce que nous devons aussi entendre ce matin. « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Ceux qui étaient perdus peut-être du fait des règles, des institutions, des choses qui ont été mises en défaut, perdus peut-être parce que justement, il n'y a pas d'autre ressource que de rester dans l'état où on est, comme les lépreux. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc pour Jésus, déjà, il n'y a pas de Samaritain, il n'y a pas de Galiléen, il n'y a pas de Juif, il n'y a pas de lépreux. Tous ont besoin d'être sauvés. Personne ne peut dire « je suis meilleur que l'autre » ou « dans une meilleure condition que l'autre ». Jésus n'a pas choisi de camp. Et l'évangéliste semble jouer sur cette idée puisqu'il va parler de frontière entre la Galilée et la Samarie sur laquelle il se promène. Je pense que pour nous, c'est une grâce de savoir que quelqu'un se promène, un peu comme à l'image qui est donnée dans le début du livre de l'Apocalypse, le Fils de l'homme se promène au milieu des chandeliers. Jésus se promène en limite de tout. Il n'est pas dans un camp. C'est une grâce pour nous, je pense, de savoir que Jésus se veut présent auprès de chacun sans privilégier les uns ou les autres. Jésus n'a pas rejeté ici les lépreux, qu'ils soient samaritains ou juifs. Il n'a pas rejeté non plus, et ça je pense que c'est aussi important, parce que dans le monde dans lequel on vit, on se passe facilement de ces choses-là, il n'a pas rejeté non plus les institutions qui sont en place. Lorsqu'il parle des prêtres, il dit et il recommande d'aller voir les prêtres. Il semble vraiment faire entendre que l'institution doit jouer pleinement son rôle à l'égard de tous, lépreux ou non. Ici, les lépreux, bien sûr, avant toute chose.
car Jésus envoie ses hommes vers des prêtres qui ont un rôle. Ils ne sont pas encore guéris, ces hommes. Il ne s'est rien passé, mais Jésus les envoie vers eux. Je pense qu'ici, nous devons prendre en considération les institutions ecclésiales en particulier, bien sûr, dans lesquelles nous sommes, parce que parfois, elles sont vraiment en défaut. Elles ne sont pas vraiment en mesure de recevoir celui ou celle qui semble un peu étranger à ce qui devrait être vécu. Ça me fait penser à un ami italien, quand j'étais à Menton, pasteur, qui était allé en Italie, voir des amis, et puis qui avait voulu se rendre dans une communauté du nord de l'Italie. Et quand il est arrivé à la porte de la communauté, on lui a dit « Vous avez votre carte de membre ?» Et comme il n'avait pas sa carte de membre, il n'est pas rentré dans l'église. Une autre institution, récemment, cette semaine, qui fait mention du fait que, par exemple, les divorcés remariés n'ont pas le droit d'accès dans une église. Chacun est libre. Les défauts de la vie sont ceux-là. La difficulté de pouvoir maintenir peut-être l'union qui a été un jour prononcée. Mais voilà que l'institution dit non. De ce fait, qu'est-ce qui se passe? Ces personnes, comme je l'entendais encore cette semaine, disaient, puisque c'est comme ça, on tourne le dos à l'institution. Et on tourne le dos au-delà de l'institution à Dieu, puisque finalement c'est un Dieu qui a été présenté, qui semble être juste dans l'institution, mais ce n'est pas du tout celui qui peut être mis en avant de par la parole. Donc tourner le dos à l'institution, tourner le dos à Dieu. Les institutions qui ont un rôle à jouer, Jésus le rappelle en disant, allez visiter les prêtres. Qu'en est-il de ces institutions? Quelle est la dimension de manifestation de la grâce de Dieu en leur sein? Je répète, le Fils de l'homme est venu, heureusement, chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Je dirais, le Fils de l'homme est venu, heureusement, pour mettre un peu son grain de sel dans les institutions, pour remettre de l'ordre. On le voit bien donc dans ce texte, ce que Jésus attend des hommes, c'est qu'ils louent Dieu. On le voit à la fin du texte, et ça prend même une place importante dans tout ce texte. Le problème, c'est quel Dieu est loué? Est-ce que c'est le Dieu arrangé par les Juifs, qui ne supporte pas les Samaritains? Est-ce que c'est le Dieu arrangé par les Samaritains, qui ne supporte pas les Juifs? Est-ce que c'est le Dieu présenté par Jésus, qui renvoie chacun dos à dos, avec ses limites, bien sûr, mais surtout avec ses glorioles? Qu'en est-il des témoignages et des enseignements qui émanent des églises aujourd'hui? Est-ce que chacune d'elles ne doit pas rester vigilante pour que le Dieu présenté ne soit pas un Dieu arrangé? Un Dieu qui arrangerait même la communauté, on entend tellement dans certaines communautés, ma foi, donnez votre dîme, et si vous ne la donnez pas, vous êtes forcément pécheur ou en défaut, dessous. Quel est ce type de Dieu, quel est ce type de communauté qui peut mettre en avant un Dieu pareil? Je suis parfois aussi dans la stupéfaction quand je vois des communautés exaltées sur Internet avec un Dieu séducteur, un Dieu démonstratif. J'aime en revanche la façon qu'a eu Dieu de se présenter devant le prophète Élie. C'était une brise légère. Il y a parfois des modèles d'églises, d'institutions qui semblent être mises en avant à tel point que finalement on doit passer par là, sinon on est forcément privé de la grâce de Dieu. Et moi je dis non. Il se peut que, oui, il y ait des manifestations un peu qui sortent de l'ordinaire, mais il y a parfois des manifestations tout à fait ordinaires. Sans aller chercher à l'autre bout de la planète ces choses extraordinaires que Dieu a communiquées, parce qu'elles sont là. Il suffit d'ouvrir les yeux, peut-être dans une brise légère. Et je me réjouis quand, au moins une fois l'an, fin janvier, les communautés chrétiennes de Bergerac tentent de se rassembler pour se mettre devant la parole de Dieu et prier. Communautés catholiques, anglicanes, protestantes unies, Église libre,
pour simplement, si possible, je ne dis pas que c'est parfait, bien sûr, mais si possible que la parole soit première et que chacun honnêtement se mette en prière les uns devant Dieu, les uns avec les autres, et qu'il n'y ait pas ce jeu de concurrence, ce regard intrusif sur les autres qui ferait que finalement c'est difficile, c'est impossible. Dieu permet que nous puissions avoir ce temps, puissions-nous honorer ce temps et nous laisser interpeller par ce genre de temps et parfois les différentes traditions des uns ou des autres, parce que notre tradition n'est pas forcément la meilleure. Nous avons, je crois, les uns et les autres à être vigilants pour que ce que nous exprimons soit en mesure de glorifier Dieu. Et donc, si nous glorifions Dieu, de produire une bienfaisante grâce sur chacun, et non la peur ni la confusion. Je le répète, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Est-ce que ce genre de parole est mise en avant dans les communautés, dans les institutions, dans votre cœur ? Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est la base. Si on se prive de cette parole, entre autres, mais qui représente tellement d'autres paroles, finalement on passe à côté de ce que Dieu veut pour les hommes. Je voudrais aussi souligner ce qu'il advient de celle ou de celui qui a rencontré Dieu, et celui qui a rencontré Dieu dont Jésus parle. Il est question de processus de guérison et de salut. Un processus de guérison, car c'est en chemin seulement que les lépreux sont guéris. Pas seulement le Samaritain, tous. À partir de la rencontre avec Jésus, un processus de guérison s'est mis en route. Et voilà que les lépreux sont guéris. Ils sont lavés de leur impureté, de ce qui faisait d'eux des asociaux, et des a-religieux aussi. Processus de guérison qui est vraiment abouti lorsque l'on ne se confie pas qu'à l'institution en place, mais à Dieu. Lorsqu'on identifie l'auteur de la guérison, c'est Dieu, c'est par Jésus. Et non pas seulement celui qui constatera la guérison, le prêtre. Processus de guérison qui ne regarde pas qu'à l'institution, mais qui regarde d'abord à Dieu, même si on doit passer par l'institution. Processus de guérison abouti, car celui qui a fait le chemin inverse et qui dérange un peu est venu se prosterner devant Jésus. Il est abouti, oui, parce qu'il a vraiment reconnu qui est Jésus et quelle place il doit occuper. Cette place, peut-être qu'il n'occupe pas dans les institutions elles-mêmes, samaritaines ou juives, à Jérusalem ou au mont Gerizim, parce qu'on ne connaît pas ce Jésus déjà. Et c'est alors qu'une parole est donnée à cet homme, parce qu'il a su reconnaître en Jésus celui qui a enclenché le processus de guérison et qui a pu constater sa guérison. Relève-toi et va, parce que tu as foi en moi, tu es sauvé. Et j'insisterai peut-être là-dessus en disant peut-être aussi qu'il ne s'agit pas de relève-toi et suis-moi, mais relève-toi et va. Et je pense que le « va » nous importe à chacun. Il ne s'agit pas d'avoir simplement une petite équipe autour de Jésus. Il s'agit d'aller dans des lieux qui ne sont peut-être pas si faciles. Et peut-être en solitaire, comme c'est le cas du Samaritain, le pauvre. C'est le seul, peut-être avec la femme samaritaine plus tard, à pouvoir enfin découvrir la grâce de Dieu par Jésus dans une institution qui est vraiment restrictive, qui ne parle plus de la grâce ou qui n'ose pas parler de la grâce de Dieu parce qu'elle ne sait pas comment en parler. Et ce Samaritain doit aller certainement dans ces lieux communs qu'il a connus depuis son enfance et dans ces lieux communs religieux, samaritains, pour faire entendre cette grâce de Dieu. Le Samaritain a désormais un devoir, c'est d'aller. C'est donc vers sa communauté, c'est vers les siens, c'est dans un lieu dans lequel il a grandi. Bien sûr, il ne s'imaginait pas pouvoir faire bouger les lignes à lui seul, mais voilà qu'il s'entend dire « va, tu es en mesure ». Et c'est là où il vit qu'il va pouvoir manifester la grâce de Dieu. Et nous le savons, la Samarie est vraiment au programme du salut de Dieu, parce que
Le programme de salut de Dieu est manifesté aussi au début du livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Vous allez être mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans toute la Samarie, et même jusqu'aux extrémités du monde. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu chercher et sauver un Samaritain pour les Samaritains. Il est venu chercher chacun d'entre nous pour le lieu dans lequel on vit. Tu as reçu la grâce, mais va. Ne te contente pas du cocoon. Va. Va dans des lieux qui te sont déjà familiers, que tu connais. Ta famille. La communauté dans laquelle de laquelle tu proviens déjà, si tu es de passage. Mais au-delà de ça, c'est tous les lieux de travail, tous les lieux de rencontre qui s'offriront à toi. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu, ça passe aussi par toi, désormais. Alors aujourd'hui, entendez ce que l'évangéliste a cherché à nous transmettre à travers sa petite histoire. Nous ne devrions pas nous déclarer supérieurs ou inférieurs à quiconque. Tout comme dans la souffrance, les identités ont peu d'importance. Vous voyez ces lépreux, ils n'ont pas cherché à dire « toi tu es samaritain, moi je suis juif ». Non, nous sommes lépreux. Je crois que d'une certaine manière, nous sommes tous lépreux, à la base. Et quelque part, si on cherche trop à se dire « toi tu es meilleur que moi » ou « moi je suis meilleur que toi », il y a quelque chose qui ne va pas. Nous n'avons pas à nous déclarer supérieurs ou inférieurs les uns aux autres. En Jésus-Christ, nous n'avons plus l'identité que nous avions auparavant. Nous avons une nouvelle identité. Paul dira, nous sommes une nouvelle création. Reconnaissons aussi, bien sûr, que nous sommes tous pécheurs. Pas un seul d'entre nous ne peut dire qu'il est plus juste que l'autre. Tôt ou tard, de toute manière, un défaut va apparaître. Mais ce qu'il convient de savoir et qui nous est précieux, c'est qu'en Jésus, un processus de guérison a commencé, si nous sommes venus vers lui avec notre souffrance, avec nos besoins, avec nos attentes. Je ne dis pas que la guérison est déjà effective, mais parce qu'on a commencé à rencontrer Jésus, un processus de guérison est en route. Et cette guérison arrivera le temps que Dieu aura déterminé. C'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'une institution, d'un médecin, c'est une rencontre avec Jésus qui déclenche tout. Et si aujourd'hui vous êtes un connaisseur de Jésus-Christ, si vous avez fait cette rencontre, je dirais, vous êtes dans ce processus de manifestation de la grâce en vous, et donc de guérison. Et quand on entend guérison, entendons non seulement la guérison comme le Samaritain l'a pu connaître, à savoir une purification de sa peau, plus que ça, parce qu'il a su revenir vers celui qu'il devait adorer, il est dit qu'il est sauvé. Et c'est bien plus grand encore qu'une simple guérison, une simple purification du corps. Alors ce n'est qu'un commencement lorsqu'on rencontre Jésus. Nous sommes bien sûr, et Dieu il est là avec son amour, nous sommes bien sûr libres de faire ce que l'on veut. C'est nous les responsables de notre propre vie. Dieu n'a pas envie de nous conduire comme des petits pantins. Il nous laisse entièrement libres. C'est son amour qui se manifeste auprès de nous. C'est un commencement pourtant qui s'est enclenché lorsque nous avons pu rencontrer Jésus, entendre la parole de Dieu, faire en sorte peut-être que d'entendre aujourd'hui simplement cette parole pour qu'il y ait un processus qui se manifeste. Mais il nous est demandé maintenant d'étoffer, je dirais, ce qui s'est manifesté. Et cela nécessite parfois d'aller justement dans les communautés. Et dans les communautés, c'est là que nous pouvons d'autant plus non seulement recevoir un enseignement complémentaire, mais aussi nous rendre compte de ce que Dieu veut manifester avec nous. Nous avons aujourd'hui à entendre la parole de Jésus. Si nous l'avons reconnu comme l'auteur de ce processus, alors je dirais tout simplement, arrête de baisser la tête, de te sentir coupable, de te sentir moins que rien, incapable de... Non, relève-toi et va. Parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé.
va. Je dirais pour conclure que ce que cette histoire est en train d'illustrer est déjà contenu dans la première prédication de Jésus à Nazareth, Nazareth en Galilée, la ville où il a vécu, lorsqu'il a déclaré cette parole dans Luc 4. Je commence au verset 16 de Luc 4 pour se rendre compte du contexte. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat, comme il en avait l'habitude, et il se leva pour faire la lecture biblique. Et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. » Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. « Aujourd'hui même, commença-t-il, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité, dans d'autres versions, est accomplie. » Je crois que tout est contenu ici. Si Jésus est venu, c'est pour sauver, on l'a entendu tout à l'heure, mais cette parole qui est donnée dans la synagogue de Nazareth, elle contient des paroles qui sont des paroles de grâce. Chacun est appelé à connaître le salut. Et l'année de grâce a été proclamée un jour, et il dit, lorsqu'il est dans cette synagogue, c'est l'année de grâce. C'en est terminé de l'attente. Cette année de grâce faisait fait référence à un jubilé tous les 50 ans, remise de dette, beaucoup de choses qui pouvaient être remises à plat. Mais voilà que Jésus, dans cette synagogue, est en train de parler avec aisance en disant, voilà, désormais, cette année de grâce, c'est maintenant. Cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité, et elle est réalité en lui. Alors aujourd'hui, en Jésus, nous goûtons, en principe, à la joie d'une année de grâce. Nous sommes au bénéfice de cette année de grâce. L'Église est un lieu privilégié pour vivre l'année de grâce. Les dons, les ministères, des uns des autres. C'est un devoir pour les enseignants de la rappeler, faute aux institutions qui ne parlent plus de la grâce ou qui privent de la grâce, comme on l'a pu entendre tout à l'heure. C'est une opportunité qui s'offre à chacun d'y accéder, bien entendu, le retour vers Jésus, et d'en témoigner. Alors j'oserais dire tout simplement, témoignons de la grâce. Et ne soyons pas acteurs de la disgrâce. Amen. Je vous invite à prier. Oui, notre Dieu, nous voulons être devant toi, tout simplement, avec nos interrogations, nos maladies, ce qui fait défaut en nous, ce que nous constatons que de trop, qui fait défaut en nous et qui pourrait tellement et qui peut tellement aujourd'hui encore nous retenir d'aller. Et je veux te prier, Seigneur, pour que l'autorité que tu as manifestée auprès du Samaritain pour lui dire, voilà, tu peux y aller maintenant, tu es sauvé, tu en es sorti. Cette autorité, tu nous la manifestes à chacun d'entre nous. Pour qu'au sein des communautés dans lesquelles nous pouvons être, nous puissions être des acteurs de ta grâce. Oui, Seigneur, donne-nous d'être attentifs à ta volonté première et non pas à celle de l'institution en elle-même, qui peut s'avérer être juste, heureusement, mais qui peut s'avérer aussi tellement injuste parfois. Seigneur, donne-nous de savoir nous mettre devant toi, honnêtement, sans prétention, sans gloriole, mais avec simplicité, pour vivre ce bonheur auquel nous pouvons prétendre et que tu as signalé en ta présence, en Jésus. Donne-nous, Seigneur, de nous attendre à toi et surtout que personne ne se dise « c'est terminé, je n'ai plus droit à rien, je suis perdu ». Non, tu es venu vraiment pour ceux qui étaient perdus. Alors, sois loué, Seigneur, pour l'œuvre que tu peux faire dans nos cœurs maintenant. Est-ce que c'est d'être envoyé? Est-ce que c'est de recevoir simplement ce signalement de la grâce? Est-ce que c'est de commencer ce processus de guérison? Tu sais toutes choses, Seigneur.
veuille bénir chacun, ici présent ou ailleurs, mais que nous puissions venir à toi en disant, voilà, c'est vraiment toi que je reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux vraiment écouter ce que tu me dis. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai retenu cette grâce et j'en ai privé d'autres. Merci pour ton aide. Amen. Il est possible que aujourd'hui, comme en un autre temps de culte, le cœur, notre cœur puisse être touché au point de pouvoir nous replacer devant le Seigneur. Et c'est peut-être une nécessité que de prendre un temps pour prier. Jésus a envoyé les lépreux vers les prêtres. Je dirais, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont dans le ministère qui n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir prier peut-être pour celles et ceux qui sont dans le besoin aussi, pour vraiment que ce processus de guérison soit une réalité de tous les jours et non pas simplement quelque chose qu'on a entendu et qui passe. Je vous invite à chanter pour nous mettre devant Dieu, honnêtement, avec un chant qui nous demande, oui, qui exige de nous d'être honnête avec nous-mêmes, avec Dieu. Vers toi, Seigneur, que nous puissions dire à Dieu à la fois notre foi, notre confiance, notre adoration. Nous allons chanter, nous allons laisser un petit temps ensuite instrumental pour aussi digérer les paroles et nous allons le rechanter. Dans la fin de chaque strophe, il est question d'un nous collectif pour l'adoration. Je dirais, sentez-vous libre de réviser ce nous, de mettre à la première personne. Peut-être que c'était une nécessité, parce que parfois quand on est noyé dans la masse, on n'est pas remarqué, on est caché. Mais quand on dit « je », ah, là, je m'engage. Et peut-être que c'est un besoin que de s'engager personnellement. Alors, dans ce chant, il y a le « nous », mais derrière ce « nous », apprenez à dire « je ». Et si vous voulez dire « je », dites-le. Je vous invite à vous lever. Thank you.
vous invite à vous asseoir. Bonjour, je fais les annonces pour cette semaine, mais avant ça, je pensais peut-être une bonne opportunité aujourd'hui d'écouter un peu de la nouvelle de nos étudiants. Ça, c'est déjà 6 semaines. Ils ont parti notre communauté, notre famille de l'Église ici, pour avancer leur étude dans une autre partie de France, parce que Bergerac n'avait pas une université. C'est trop petit. Je demande peut-être en premier, Esther, de donner un peu de nouvelles de Sila, s'il te plaît. Sila, c'est la fille de Esther, et elle étudie à Paris. Merci beaucoup et bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup à John pour cet amour pour moi et ma fille surtout. Pour me penser à elle, je sais que vous tous pensez à cela, mais on est tous priés pour elle. Ce n'est pas la vie facile, la vie, mais on est remercié à Dieu parce qu'il est notre Père, il est notre Seigneur, il prend soin de nous. Et c'est là que ça nous fortifie beaucoup d'être avec lui tout le temps. Et même, c'est pas facile pour Slavna là-bas, mais elle est heureuse. Elle est dans une famille pastorale qui est malgache. Mais que vraiment, c'est même dans une famille qui est nombreuse. Et elle est vraiment heureuse, mais elle voudrait d'être trouver son appartement, mais c'est pas facile. Mais merci le Seigneur parce que on croit que le Seigneur il y a un plan pour elle dans cette famille, que il y a une chose pour elle aussi. Et elle est bien dans son école et elle aussi dans la recherche encore de son appart. Et elle est bien, elle pense à nous tous aussi, et elle a prié pour nous, et surtout aussi toi. Et merci, et je voudrais vous demander aussi une prière pour elle, pour cette ces nouvelles années, pour elle dans ses études, qu'elle a un peu... Il y a beaucoup de travail, mais elle a besoin d'encouragement. C'est ça. Mais merci beaucoup. Merci, Esther. Merci. Nous avons un visiteur avec nous. Ça, c'est notre deuxième étudiant. Olivia, peut-être c'est pour faire le linge et remplir le frigo. Elle rentre à Bergerac aujourd'hui. Olivia est à Bordeaux. Elle étudie médecine. Bonjour à tous. Voilà, donc je suis en première année de médecine depuis un mois et demi. Et je viens vous donner de mes nouvelles. Bon, c'est difficile déjà le début. Il y a beaucoup d'informations à assimiler en peu de temps parce que l'examen c'est déjà en décembre. Donc c'est difficile. Mais le point positif c'est que c'est des matières que j'aime beaucoup. Enfin, je trouve ça vraiment passionnant et intéressant. Donc c'est pas une corvée pour moi de travailler et d'apprendre. Donc j'espère que ça paiera en tout cas. Voilà, après, par rapport à la vie d'église, du coup, je fais partie de l'église de Pessac maintenant. Donc j'y vais tous les dimanches à peu près, enfin, en tout cas quand je peux. Puis je participe à la louange. Donc je joue du piano là-bas. Et ça a aussi été une bénédiction de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, de pouvoir... faire partie d'une famille chrétienne de nouveau. Je suis logée aussi à côté de, enfin, même chez des chrétiens.
qui sont dans l'église de Pessac. Et oui, j'étais bénie aussi pour ça, parce que c'est super rassurant de me savoir entourée à ce point. Et je suis aussi reconnaissante de vous avoir, vous tous, ici aussi, parce que je sais que vous me soutenez aussi de Bergerac. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci, Olivia. J'espère que ça aide nous chacun de prier intelligemment. Dépêche-toi parce qu'on a besoin de médecins. Oui. Oui, c'est un grand trou. Nous avons des infirmiers déjà dans l'église, mais un médecin, c'est une bonne addition, je pense. Bon, les annonces, c'est normal pour cette semaine. Aujourd'hui, à midi, il y a un groupe de jeunes avec Diocé. La prochaine réunion prévue, c'est mardi. C'est de leçon de française. Ça, c'est avec Marie-Claude et Hélène. Elle est disparue. Ah oui, elle est derrière. Et c'est un cours de leçon de française où il y a des choses pour les débutants et aussi une autre leçon pour les choses un peu un niveau un peu plus haut. À 18h, mardi, c'est notre hall de prière. Ça, c'est sur Skype. Pour plus d'informations, allez voir Joseph qui occupe de ça. Vendredi, à 18h30, il y a l'anglophone Fellowship Group. And if you want to know more about that, speak to Peter Shire. Et vendredi aussi, à 20h15, il y a le groupe de maison à Bergerac. Ça, c'est la première réunion pour cet hiver. Et il y a partage et réflexion à partir du livre de l'Union, une espérance qui nous transforme. Il y a un petit peu de devoir aussi. Les étudiants dans les églises avaient des devoirs aussi. Mais je pense que Guy avait en tête de faire une annonce de chacun qui interviennent sur ce groupe de maison. Samedi prochain, à 10h, un atelier expression corporelle, ça c'est avec Patricia Tomlinson. À 14h, comme d'hab, je pense qu'il y a la répétition de l'équipe de louange. Dimanche prochain, notre culte s'est prévu un peu différent. Nous avons un culte. Le message, c'est Guillaume Corr, semaine prochaine, qui porterait le message. Et c'est sur les membres d'une organisation appelée le Pelican, qui travaille pour le Seigneur en Afghanistan. So, ça, c'est des choses intéressantes. Nous avons une vie très tranquille ici par rapport à notre frère et sœur dans le pays comme Afghanistan. Et après notre culte, il y a un repas fraternel, repas ensemble, et nous avons pensé que ce serait bien si quelques cuisinières courageuses étaient prêtes à faire un plat afghan. J'ai des recettes ici. Ce n'est pas mon truc, je connais juste le poisson et les frites, mais pour les uns des autres, il y a beaucoup de choses sur l'Internet. Et s'il y a quelqu'un d'entre nous, c'est courageux de faire un plat typique d'Afghanistan. Peut-être c'est intéressant. Et pour plus de renseignements sur ça, allez voir notre chef. Nous avons un chef dans l'église aussi, Guy. Et il fait un peu de choses dans la cuisine. Mais bon, il avait plus et j'ai quelques copies, un plat principal et aussi un dessert. Mais pour moi, personnellement, je préfère le tiramisu. Il y a quelqu'un dans l'église qui fait le très bon tiramisu. Et ensuite, j'ai envoyé une annonce spéciale hier après-midi parce que je pense que vous avez vu. Semaine par semaine, l'Église commence à grandir. Et nous dit merci de notre Dieu et pour ça. Mais il y a quelqu'un d'entre nous qui avons besoin de
transport vers l'église ici. So, si vous avez une place dans votre voiture, et j'ai déjà affiché une feuille là-bas. J'ai mis un autre à côté de Karine là-bas, et juste pour marquer si vous avez des places libres dans votre voiture, combien de places est votre point de départ le dimanche matin pour arriver ici et vers l'église. Parce qu'il y a quelqu'un d'entre nous qui avait besoin de cet service, et c'est une autre partie de notre louange, c'est notre service pour notre Dieu. Et je pense que c'est tout. Si vous avez besoin de quelques renseignements sur ça, demandez-moi après le culte. Et enfin, juste avant, je passais les choses encore à René. Et je n'aime pas faire des choses personnelles, mais avant de laisser la place à René, je voudrais juste lui dire merci. Parce que cette semaine, j'ai une visite imprévue au service d'urgence de l'hôpital de Bergerac, mercredi. Mais avec le soin du personnel médical et le mur et le soutien de l'Église ici, je suis sur la bonne voie. Bon, je laisse la place à René pour terminer le culte. Oh, pardon. Donc, allez, parce que personne n'écoute rien là-bas. Oui. Aujourd'hui, Hélène, elle a pris quelques nouveaux printemps. Donc, peut-être on peut lui souhaiter un joyeux anniversaire. OK. Je n'ai pas demandé l'âge, non. Bien, eh bien, notre culte arrive à sa fin. Et Apocalypse 3, 11, 13. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je le ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et un nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Et pour terminer, je vous invite à chanter. Je chante car tu es bon. Oui, le Seigneur est bon.
Eh bien, bon dimanche à tous et bonne semaine. Bon, j'ai oublié une chose. Il y a une boîte pour l'offrande et juste à côté de Karine à la porte de sortie. Excusez-moi, mon trésor.